ici dans l'église de Martin Luther King. C'est une église qui est construite depuis 1914. Une église depuis 1914 qu'elle existe, cette église, qui a vu grandir Martin Luther King. C'est ici qu'il a commencé ses premiers pas dans le Seigneur. C'est ici qu'il a commencé ses premiers pas. Ses parents étant ici, c'est ici qu'il a commencé. Il a suffi de prédicateur aussi de cette église. Voilà, nous avons monté la vue de cette église. Donc comme je disais, c'est cette église qui a vu la conversion, c'est ici que ses parents priaient, qui priaient dans cette église, c'est ici qui est né. C'est ici qu'il a connu Jésus, et c'est ici qu'il a fait les premiers pas dans le Seigneur. Il a aussi prêché dans cette église. Et comme je disais tout à l'heure dans l'introduction de ma vidéo, cette église est créée depuis 1914. Et tout va bien, ça vaut un siècle, deux ans, c'est ça, je crois bien, un siècle, trois ans. Ça fait un siècle maintenant, trois ans que cette église existe. Voilà, c'est 2014, ça fait déjà un siècle, et deux, trois ans encore, 2015, 2017, 2017, ça fait un siècle, trois ans que cette église existe. Vous voyez qu'il représente un monument qui est visité de partout. Et étant dans cette église, je prie pour toi, les hommes de Dieu dont le ministère est encore bloqué, ceux qui n'ont pas encore commis une autre dimension dans leur ministère, étant dans cette église, c'est une action. Je prie que vos églises grandissent en nombre, je prie que vos églises grandissent en maturité et que la puissance de Dieu bénisse tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Je prie pour tous les hommes de Dieu dans le monde entier, même celui qui n'était pas encore dans le droit chemin, que Dieu le met dans le droit chemin, et qu'il y ait un réveil mondial, et que nous soyons des leaders, et que nous possédons le monde, enfin de pouvoir imposer la Seigneurie de Jésus. À cette date, d'aujourd'hui, depuis Atlanta, nous sommes aujourd'hui à cette date de samedi, de dimanche plutôt, de dimanche 3, 2 plutôt. Autant pour moi, dimanche 2 juillet 2017. Dimanche 2 juillet 2017, autant pour moi. Voilà, donc que Dieu bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis tous les serviteurs du monde entier, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, que tu sois bien ou pas, que tu te même faux pasteur, que le Seigneur t'éclaire, que t'amène dans la révélation. Soyons des gens qui possèdent dans le monde, c'est à ça que nous sommes appelés, annoncer l'évangile de Jésus. Shalom.